Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Vincent ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Sandra et sa famille et amis. Merci de bénir toute ma famille et amis ainsi que moi-même. Merci d'être avec ceux qui écouteront cette étude ou tous ceux qui se joindront à nous par la suite. Merci de les bénir eux et toute leur famille. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci que nous puissions la mettre en pratique. Comme tu le dis dans ta parole, tu nous donnes le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci de faire de nous des Béréens qui recevons qui avons des sentiments plus nobles que les autres croyants, parce qu'on reçoit ta parole tout entière avec beaucoup d'empressement et de joie et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit, tout ce que nos prédicateurs, pasteurs et même nous-mêmes disons est exact. Donc merci de nous faire tout vérifier par ta parole et uniquement par ta parole. Merci que nous n'ajoutons rien à ta parole parce qu'elle est entièrement suffisante, pleinement suffisante, que nous retranchons rien à ta parole non plus et que nous ne tordions pas tes versets et ta parole. Et merci de faire de nous le reste de ta postérité qui gardons tes commandements et qui retenons le témoignage de Jésus. Merci de faire de nous tous tes saints qui persévérons, qui endurons, qui patientons en gardant tous tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Merci de faire infiniment au-delà de ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, amen. Alors, salut Fredo, bienvenue. On va faire l'étude. Alors, l'étude aujourd'hui, mais ça sera en deux parties. La deuxième partie, j'essaierai de la faire demain. Donc, c'est Jésus a-t-il réellement transgressé un seul commandement, comme le disaient les pharisiens, ou comme le pensaient les pharisiens. Donc, il y a plusieurs parties. Alors, aujourd'hui, on va voir les paroles et ou les commandements, où se situent-ils et comment ils sont faits, parce que j'ai eu un éclairage nouveau. Bon, bref, je vous expliquerai en route. Toutes ces paroles et commandements ont tous été prononcés par notre Dieu d'amour créateur et rédempteur et ont tous été écrits et gravés par notre Dieu d'amour créateur et rédempteur. Ensuite, quelques petits avertissements et conseils par amour de la part de notre Dieu, bien sûr. Ensuite, la loi est-elle importante dans le Nouveau Testament? Ensuite, avant de continuer, ça je vous dirai avant, mais le sabbat est-il important dans le Nouveau Testament? Et ensuite, les autres parties, on verra demain entre le premier jour remplace-t-il le septième jour. Que dans le Nouveau Testament, je fais exprès de voir que, à part les commandements, là, je suis obligé de voir dans le premier testament. Mais ça sera pour la prochaine étude. Et ensuite, Jésus a-t-il vraiment transgressé le sabbat comme les pharisiens l'affirmaient? Et ensuite, ça sera deux autres parties, mais ça sera pour la prochaine étude. Alors, les paroles et ou les commandements, ils se situent dans Exode 20, verset 1 à 17, que je vais vous lire, bien sûr. Et puis j'allais dire, mais bon, là, désolé, c'est une. Avant de le lire, comment ils sont décomposés, comment ils se composent-ils, pardon. Donc la première parole, oui, ça va vous. Non, d'abord, je vais vous lire avant de. Je vais vous laisser un peu le suspense. Alors, déjà, Exode 20, verset 1 à 17. Alors, Exode 20, verset 1 à 17, il nous dit. Alors, Dieu prononça ces paroles en disant : Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Amen. Et les commandements, les 10 paroles et les 10 commandements, donc j'ai appris récemment, la première parole, c'est Exode 20, verset 2, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. La deuxième parole et les deux premiers commandements, ça se situe du verset 3 à 6, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et ensuite tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre, etc. etc. jusqu'à et au verset 6 et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc ce qui est bizarre, tout le monde croyait, et j'ai reçu dernièrement et j'ai fait des comparaisons et j'ai vraiment remarqué, j'ai vraiment regardé avec pas la Bible du rabbinat français mais avec les textes, les manuscrits anciens, enfin les copies des manuscrits anciens, et c'est vraiment vrai. La première parole, donc ça s'appelle souvent on dit les 10 paroles, le décalogue, qui est juste.
Et c'est égal aux 10 commandements, oui et non. Enfin, parce que la première parole, c'est dans Exode 20, verset 2, et que la deuxième parole, ben, elle inclut et le premier et le deuxième commandement. Donc, et Exode 20, verset 3, et Exode 20, 4 à 6. Donc, la deuxième parole, c'est Exode 20, 3 à 6. Ensuite, la troisième parole, c'est équivaut au troisième commandement. Exode 20, verset 7, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, etc. Ensuite, la quatrième parole, ça équivaut au quatrième commandement, Exode 20, verset 8 à 11, sur le sabbat, sur le septième jour, qui s'est reposé, qu'il a béni et qu'il a sanctifié. Et il s'est reposé ce jour-là parce qu'en six jours, il a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé ce jour-là, il a béni ce jour-là et il a sanctifié ce jour-là et non un autre. Ensuite, ben pareil, la cinquième parole, c'est le cinquième commandement, Exode 20, verset 12. La sixième parole, c'est le sixième commandement, Exode 20, verset 13. La septième parole, c'est le septième commandement, Exode 20, verset 14. La huitième parole, le huitième commandement, Exode 20, verset 15. La neuvième parole, le neuvième commandement, Exode 20, verset 16. Et la dixième parole du décalogue, les dix paroles, et le dixième commandement, Exode 20, verset 17. Et toutes ces paroles et commandements ont tous été prononcés par notre Dieu d'amour créateur et rédempteur, avec trois textes que je vais vous lire. Mais je vais vous en lire exprès qu'un seul, parce que les deux autres, c'est un doublon avec ce qui suit. Et ils ont tous été écrits et gravés par notre Dieu d'amour créateur et rédempteur. Et là, je vais vous citer que deux versets, parce que les deux autres, c'est doublé. Donc oui, il y a un verset qui dit comme quoi toutes ces dix paroles, tous ces dix commandements ont été prononcés par Dieu. Après, tous ces dix paroles, tous ces dix commandements ont été écrits et gravés par Dieu. Donc deux versets. Et par contre, deux versets où on voit qu'ils ont été tous les dix et prononcés et écrits gravés par Dieu. Donc alors, Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Donc voilà pour prononcer toutes ces paroles. Ces dix paroles sont décalogues tout entier. Ensuite, il les a tous écrits et gravés lui-même. Et après, je vais vous lire ceux qui disent les deux, ceux qui sont en doublon. Donc Exode 32, verset 16, qui nous dit « Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. » Amen. Ensuite, Exode 34, verset 28, qui nous dit « Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. » Donc là, on ne peut pas être plus clair, les dix paroles. Il y en a dix. Amen. Et maintenant, les deux textes qui sont doublons, c'est-à-dire qui disent comme quoi Dieu a prononcé ces dix paroles, ces dix commandements, et qui les a gravés aussi, c'est Exode 31, verset 18. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse, donc de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Et ensuite, Deutéronome 5, verset 22, qui nous dit, pour les deux toujours, l'Éternel prononça ces paroles à toute votre assemblée sur la montagne du milieu de feu, de la nuée et de l'obscurité, d'une voix forte, et il n'y ajouta rien, puis il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. Moïse qui parle. Amen. Donc, on ne peut pas être plus clair. Donc, on voit bien que, vous voyez, toute la Bible tout entière, elle a été écrite par des hommes, mais inspirée par Dieu. Mais les dix commandements, les dix paroles, c'est la seule chose que Dieu a prononcée lui-même et qu'il a gravé lui-même. Déjà, sa parole, elle est intouchable, mais encore plus les dix commandements, quoi. Et bon, j'allais faire un jeu de mots avant de continuer la suite. Souvent, j'avais envie de dire, bon, désolé, excusez-moi, je vais être un peu corrosif, mais je dis, tiens, on va voir les paroles, les commandements de notre Dieu d'amour. Donc, dans Exode 20, versets 1 à 7 et Exode 20, versets 12 à 17. Exprès, je voulais mettre le sabbat de côté pour qu'on me dise, tiens, mais pourquoi tu mets le quatrième de côté? Bah, on l'enseigne pas, alors pourquoi j'en parlerai? Mais bon, c'était juste exprès pour, je m'excuse, Exode 20, versets 8 à 11, il fait partie de Exode 20, 1 à 17. Le quatrième commandement, il fait partie des dix commandements. La quatrième parole fait partie des dix paroles. Ça s'appelle pas les neuf paroles ou les neuf commandements. Et pourtant, ben, on enseigne les autres, mais celui-là, comme par hasard, ben, on veut l'annuler ou le transférer à un autre jour, alors que Dieu, il a bien dit le septième. Bon, bref. Mais exprès, aujourd'hui, je vais voir que, à part là pour l'annonce, je vais voir que dans le Nouveau Testament. Vu que, ben, dans l'Ancien, on voit la solennité du sabbat, du septième jour, tout le long de l'Ancien Testament. Enfin, du Premier Testament, j'aime pas trop dire ancien. Mais, on va voir la solennité aussi dans le Nouveau Testament. Et sur le sabbat, il y a deux fois et demi moins de, il parle deux fois et demi moins du sabbat en importance du sabbat que le Premier Testament, sauf qu'il est trois fois plus petit. Donc en proportion, on en parle même plus. Et beaucoup vont se baser, ah ben, vous voyez, on parle beaucoup moins du sabbat, donc il est moins important. Oui, on en parle juste deux fois et demi moins, alors que le Nouveau Testament, il est trois fois plus. Donc on devrait en parler trois fois moins. Bon, vous allez me dire, c'est pas une référence, mais pour dire que c'est faux, proportionnellement, on n'en parle pas moins, on en parle même plus. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Et justement, c'est surtout ces textes qu'on va voir. Déjà, avant de passer au Nouveau Testament, je vais juste voir avec vous quatre petits textes dans l'Ancien pour dire quelques avertissements et conseils
conseille par amour de notre Dieu d'amour, créateur et rédempteur. C'est dans Deutéronome 7, verset 9, qui nous dit « Reconnais donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde son alliance. » Lui, au moins, pas comme nous, c'est moi qui rajoute. « Qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Amen. Est-ce que c'est dit « qui observe une partie de ses commandements » Bon, bref, je ferme la parenthèse. Deutéronome 10, vous allez me dire, ça c'est l'ancien, mais bon. Deutéronome 10, verset 12 à 13, surtout le verset 13. « Maintenant donc, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu observes les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour que tu sois heureux. » Amen. C'est pas pour nous embêter, c'est pour être heureux. Et on dit souvent l'Église, maintenant, c'est l'Israël spirituel. Après tout, les 10 commandements, les 9 fautes, il n'y a pas de problème. On dit c'est pour les chrétiens aussi. Autant le sabbat aussi, vu qu'il fait partie des 10. Mais bon, il devrait être autant pour les chrétiens. Bon, je ferme la parenthèse. En Deutéronome 11, verset 1, l'avant-dernier texte. Aime donc l'Éternel ton Dieu et garde toujours ce qu'il veut que tu gardes, ses statuts, ses lois et ses commandements. Amen. C'est clair. Ensuite, le dernier texte, Deutéronome 19, verset 9, que tu auras pris garde à pratiquer tous ses commandements. Il n'a pas dit 9 sur 10. Tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher toujours dans ses voies, alors tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Amen. Et maintenant, 2 versets dans le nouveau, et puis après les autres parties, on va vraiment parler que du nouveau. Alors c'est dans Jean 14, verset 15, Jean 14, verset 15, qui nous dit bien, hop, alors, Jean 14, verset 15, Jésus qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et ce qu'il dit d'en garder 9 sur 10, ou 8 sur 10, ou 7 sur 10, donc gardez mes commandements. Après, il y en a 10, donc faut garder les 10. Enfin, pour moi, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Et Jean 15, verset 14, c'est pour ça que j'ai rajouté sur mon serveur ami de Dieu. Jean 15, verset 14, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et dans commander, il y a commandement. Donc tout ce que je vous commande. Abraham, il fut appelé ami de Dieu parce que il observait tous ses commandements, tous ses statuts et ses lois. Et pourtant, la loi sur le mont Sinaï n'avait pas été donnée. Oui, désolé, je fais une petite parenthèse. Mais là, c'est pas pour le sabbat, c'est pour le sabbat que j'ai promis à Vincent de parler que du Nouveau Testament à partir de là. Mais sur sa loi entière, pas forcément. Mais regardez, si on prend Genèse verset 26, chapitre 26, pardon, verset 5, souvent on nous dit oui, les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï à Moïse, ok, et Moïse, il a vécu à peu près 500 ans après Abraham, le premier juif. Donc les 10 commandements ont été donnés par écrit, donc oralement par Dieu et par écrit gravé sur la pierre 500-600 ans après Abraham. Sauf que regardez Genèse 26 verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé tout ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Donc quand il y en a qui disent ces commandements, ils n'existaient pas avant, ben si, là on a la preuve avec ce verset, comme quoi il y a bien eu une transmission orale avant la transmission écrite. Et c'est logique parce que l'écriture, elle a commencé à exister un peu après Abraham. Donc c'est normal qu'il y ait une transmission. Quand il y en a qui disent ouais, Adam et Ève, ils n'observaient pas le sabbat, je m'excuse, avec ce verset-là, si Abraham il l'observait, c'est bien qu'il y avait une transmission orale. Et ça m'étonnerait que Dieu il ait dit que à Abraham et qu'il n'ait pas dit à Adam, alors qu'il l'a créé juste la veille du. Mais bon, bref. Mais je veux dire, si on voit qu'il y a transmission orale avec ce verset, ben c'est que la transmission orale existait bien avant la transmission écrite. Ben déjà, on a la preuve, bien 500 ou 600 ans avant Moïse. Donc ses commandements, ses statuts, ses lois étaient connus. Et statuts et ses lois sont un peu moins importantes que ces 10 commandements qui, eux, ont été prononcés tous les 10, ainsi que gravés tous les 10, notre Dieu. Mais bon, comme quoi il y a transmission orale. Et puis c'est logique, bon, moi je travaillais, j'étais soignant dans un hôpital, on faisait souvent des transmissions orales avant de l'écrire sur ordinateur pour transmettre à l'équipe de jour, à l'équipe de nuit, à l'équipe de nuit, à l'équipe de jour et à l'équipe du matin, à ceux d'après-midi, à ceux de nuit et ceux de nuit, à ceux de matin, etc. Et on transmettait oralement, mais on faisait aussi par écrit parce que les écrits restent oralement. Mais s'ils nous disaient, nous on le notait sur notre feuille. Mais il y avait une transmission orale avant la transmission écrite. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, comme quoi sa loi, ses statuts, ils existaient bien avant, vu qu'on voit par Abraham. Et maintenant, donc, autre partie, la loi est-elle importante dans le Nouveau Testament? La loi ou les commandements? Ben là, on va voir plusieurs textes. En Matthieu 5, versets 17 à 19, Jésus qui parle, bien sûr. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. Je vais lire le 19 après. Vous avez vu, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé. Et s'ils sont passés, non. On est encore sur l'ancienne terre. Il a pas encore recréé la nouvelle terre. Et le verset 19, celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements, c'est clair, et qui aura ainsi enseigné les hommes à faire de même, quoi, sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui
qui les aura observés et enseignés, dont tout, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Donc estimé le plus petit dans le royaume des cieux, ça veut dire estimé indigne d'être dans le royaume des cieux, donc indigne d'être sauvé. Donc on doit transmettre la parole telle quelle, on doit rien ni ajouter ni retrancher. Ça c'est des versets connus, Proverbe 30, verset 6, tu n'ajouteras rien à ces paroles de peur que tu ne sois trouvé menteur, mais là encore, et c'est un avertissement sauf, quand il dit dans Deutéronome 4 et Deutéronome 12, tu ajouteras rien ni tu retrancheras, parce que sinon ça... Et même Apocalypse 22, verset 18, 17 et 18, nous dit celui qui ajoute, eh ben, il aura des fléaux, et celui qui retranche, eh ben, il sera retranché de l'arbre de vie. Et donc, il y en a, ils ajoutent rien, ils retranchent rien, mais ils tordent. Et ça, c'est pas mieux. De Pierre 3 nous dit, il y en a qui sont mal affermis, qui tordent les écrits de Paul, et même les autres écritures, à leur propre père. Mais bon, je vais pas paraphraser, je vais juste lire ce passage à vous. Donc, c'est dans 2 Pierre 3, donc c'est après Jacques, et Jacques, c'est après Hébreu. Donc, 2 Pierre, c'est après 1 Pierre, forcément. 2 Pierre 3, verset, d'abord verset 15, et puis 16, c'est surtout le 16. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, par Dieu, bien sûr. Et comme il le fait dans ses épîtres, quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il en est de difficile à entendre et à comprendre, que les personnes mal affermies, ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres écritures, à leur propre perdition, ou pour leur propre perte. Donc, celui qui n'ajoute pas, ni retranche pas, c'est bien, mais s'il torde, c'est pas mieux, quoi. Donc, faut ni ajouter, ni retrancher, ni tordre. C'est pour ça que vaut mieux interpréter la Bible avec d'autres versets, ou avec d'autres versions si on n'a pas compris. Et puis, Jacques 1:5, que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu qui lui donnera sans reproche et elle lui sera donnée. Donc si on manque de sagesse pour comprendre, faut pas qu'on s'appuie sur la sagesse des hommes qui est vaine, qui est néant, qui est de la boue, qui est rien du tout. On n'est pas sage, l'homme est pas sage. Il est mauvais, il est ultra mauvais, ultra limité, ultra nul. Nous sommes tous nuls si nous nous basons sur notre propre intelligence. Non, faut vraiment se baser que sur Dieu. Proverbe 22:19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, il veut nous instruire chacun de nous tous les jours. Il nous dit, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Tous les jours, à chacun de nous, il nous dit ça. Parce que telle voie paraît droite à un homme que son issue, c'est la voie de la mort. Ça a été dit deux fois dans les Proverbes, exactement les mêmes mots pour mots. C'est dans Proverbe 14, verset 12, et dans Proverbe 16, verset 25. Telle voie paraît droite à un homme que son issue, c'est la voie de la mort. Donc, il veut nous instruire. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai perdu le fil, parce que ça, c'est des versets que j'avais pas préparés, qui me sont venus en tête. Donc, oui, il veut nous instruire. Pourquoi? Parce que, comme il dit, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Il veut qu'on soit ses amis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ben, il veut qu'on garde ses commandements par amour. Pas pour être sauvé, mais par amour. Parce que nous sommes déjà sauvés par amour et reconnaissance parce qu'il nous a créés et sauvés. Bon, ensuite, donc, Matthieu 15, j'avais une idée, mais comme il y a deux idées qui sont venues en même temps, ben, du coup, j'ai zappé les deux. Mais bon, ça me reviendra peut-être au fur et à mesure. Matthieu 15, verset 3 à 6, nous dit, mais il leur répond, bon, je vais lire les deux premiers pour qu'on comprenne. Alors, des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent point les mains puisqu'ils prennent leur repas. Mais il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Bam! Est-ce qu'on fait pas un peu pareil nous aussi? Car Dieu a donné ce commandement, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Ça calme. Et si je vous lis jusqu'au verset 9, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi, mais il m'honore en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Après, je vous invite, c'est ce que j'ai fait pour mon église, à vérifier toutes les doctrines, toutes les croyances avec les écritures. Et j'ai vu qu'il n'y avait rien de mauvais. Par contre, il y a des endroits que l'homme a rajouté, que c'est ni écrit. Par exemple, quand Jésus nous dit pour la Sainte Cène, de prendre, bon, nous c'est le jus de raisin, de prendre le vin entre guillemets, parce que vin, autant dans l'hébreu que dans l'hébreu du Premier Testament, que dans le grec du Nouveau Testament, vin, c'est un mot qui signifie jus issu de la vigne. S'il y a le mot rajouté fermenté ou fort à côté, bah, c'est du vin alcoolisé. Par contre, si c'est pas rajouté, bah, on sait pas. Donc c'est pour ça que nous, dans le doute, parce que Romains 14, verset 3, celui qui n'agit pas par pleine conviction commet un péché, vu qu'on sait pas si c'est du vin alcoolisé ou du vin jus de raisin, la Sainte Cène, et ben dans le doute, on fait du vin jus de raisin. C'est pour ça que nous, notre Sainte Cène, ben on prendra du pain sans levain et du jus de raisin. Et il nous dit de faire ça, faire cela en mémoire de lui. Il a institué la Sainte Cène et le lavement de pieds. Ben bon, le lavement de pieds avec le Covid, on fait
fait plus trop, mais la Sainte Cène, on fait à peu près tous les 3 mois. Sauf que Jésus, il n'a pas dit de fréquence. Il a dit faire cela en mémoire de moi. Les témoins de Jéhovah, ils vont faire une fois par an, mais ça va être que l'élite qui va pouvoir, que les huiles, que les ascéos qui vont prendre la Sainte Cène. Les catholiques, ça va être tous les dimanches. Les autres protestants, je sais pas, j'ai jamais été protestant de catholique non pratiquant, je suis devenu adventiste. Donc je sais pas les autres protestants comment ils font, mais en tous les cas, les catholiques, ils font tous les dimanches. Et tous les dimanches, et ils prennent que l'hostie. Ils prennent pas le vin. Le vin, c'est que le curé, c'est que le prêtre. Alors que la Bible, elle dit, c'est les deux. C'est le vin ou jus de raisin, et nous, c'est pas l'hostie, c'est le pain sans levain comme Jésus faisait. C'est du pain sans levain qu'il a donné à ses disciples. Et eux, il a fait à la Pâque, et il a dit, faites ceci en mémoire de moi, mais moi, mon église le fait tous les 3 mois. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est mauvais? Ça, je sais pas. Il y a que des petits trucs comme ça. Quand il nous disait pas la fréquence, il avait dit, faites cela tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, enfin, une date. Là, j'aurais pu dire, oui, c'est biblique, ou non, c'est pas biblique, mais il a juste dit, faites cela en mémoire de moi, mais il a pas précisé la fréquence. Donc, ce que la Bible dit pas, tant que c'est pas contraire, c'est bon. Si c'est contraire, ben, forcément, c'est pas bon, c'est à rejeter. Mais je veux dire, à part ces petits trucs comme ça, comme la fréquence, tout le reste, je suis assez content des croyances et doctrines de mon église. À part pour aussi les fêtes de l'Éternel, par exemple, vaudrait mieux pour moi, mais pour ma part, vaudrait mieux fêter Pâques et Pentecôte plutôt que Noël. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ou fêter aucune, parce que Noël, c'est pas la naissance du Christ. Je vous invite à écouter les deux derniers trucs. Ça dure moins de 30 minutes sur Noël, que c'est des traditions non païennes, païennes, qui viennent du paganisme et même des idoles, enfin, et d'un faux dieu. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Matthieu 19, verset 17, nous dit, Matthieu 19, verset 17, il lui répondit, oui, d'abord, je vais vous lire le verset 16, et voici quelqu'un s'approchant, lui dit, bon maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul, que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Garde au cerveau. Il lui dit, lesquels? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Oui, vous voyez, c'est bon, garde les commandements. Bon, ben là, il y en a souvent, il a fait que quelques-uns. Ça veut dire que les autres, justement, je vais unir. Jacques de 10, avant de dire la suite, Jacques de 10 nous dit comme quoi l'ennemi, il est malin. Malin dans les deux sens. Malin comme mal, mauvais. Et malin parce qu'il est rusé aussi. Il a su entraîner nos parents Adam et Ève. Et il a su entraîner un tiers des anges avec lui. Et pourtant, ils étaient parfaits. Donc, Jacques de 10 nous dit, puis vous allez me dire, oui, mais Jacques de 10, je vais vous dire d'abord. Je vais vous lire exprès juste le verset 10. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul commandement, devient coupable de tous. Donc c'est comme s'il les avait tous transgressés. Donc 10-1 est égal à 0. Quoi. Donc 10-2, 0. 10-3, 0. Et il y en a qui me disent, oui, mais ça c'est pour toute la loi, pour tous les 613 lois juives. Je dis non, parce qu'on a la réponse au verset suivant, au verset 11. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Amen. Donc on voit bien qu'il parle des 10 commandements, vu qu'il cite deux des 10. Et pareil pour Jésus, il n'allait pas tous les énumérer parce que aimer Dieu, ça coulait toujours. Parce que eux, les juifs, ils aimaient Dieu à la base. C'était surtout sur l'observation des commandements qui concernent le prochain que ça tiquait. Parce que n'avoir qu'un seul Dieu, ça c'était leur cas pour tous les juifs, enfin, en théorie, en pratique, ça dépend. Bon, bref, ne pas faire de représentation de statues, etc., etc., ça aussi, c'était leur cas à l'époque de Jésus, normalement. Et ne pas prendre le nom de Dieu en vin, bah oui, à chaque fois que les scribes, ils devaient écrire le nom de Dieu, ils allaient se laver les mains, ils changeaient de plume pour écrire le tétragramme ou le nom de Dieu, et après ils se relavaient les mains, et ils reprenaient une autre plume, et ils prenaient une plume, chère, quoi, pour écrire son nom. Donc, comme vous voyez, ils le vénéraient son nom plus que nous, chrétiens, quoi. Et bah, le quatrième commandement sur le sabbat, ça coupe des tours, qu'ils allaient à la synagogue sur le sabbat. Mais ça, Jésus leur reprochait pas s'ils faisaient bon, il reprochait souvent, bon, bah, de toute façon, on va y venir. Mais vous voyez, il dit au jeune homme riche, parce que c'était un juif, donc il savait les juifs, ils observaient les 4 premiers de base, quoi. C'est surtout honorer ses parents, que c'était pas tout ce qu'ils le faisaient, et le reste, tu ne tueras point, etc., etc. Et il va même plus loin à un moment quand il dit on peut tuer avec les mots. Donc quand tu vas me dire, ben, celui-là, j'ai jamais transgressé, ben non, à chaque fois qu'on s'est énervé, qu'on a insulté un frère ou une sœur, ben, c'est comme si on l'avait tué avec nos mots. Donc même celui-là, on a transgressé. Mais bon, il vient nous pardonner, mais juste pour dire que ça va bien plus loin que les mots. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Alors, Marc 7, versets 6 à 9 et verset 13. Mais là, je vais vous lire la version Osterwald. En général, je vous lis que la version Louis II. En général, je vous lis que l'Osterwald. Mais là, je trouve qu'ils sont encore plus forts dans la Louis II. Et c'est très, très rare. Je la prends que à 10% des cas, la Louis II. En général, je préfère l'Osterwald. Elle
elle est beaucoup plus littérale, donc beaucoup plus proche des copies originaux. Alors, Marc 7, versets 6 à 9, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et le verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Donc oui, dès l'instant qu'on change un commandement de Dieu, c'est pas bon. Et bon, désolé, je vais revenir. Les deux plus longs commandements, c'est le deuxième et le quatrième, et c'est les deux les plus rejetés. Le deuxième par nos frères et sœurs catholiques et orthodoxes, et le quatrième par tous les chrétiens, par 99% des chrétiens. Et pourtant, il fait partie des 10. C'est le décalogue, c'est pas le nouvologue. Et Jésus, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit pas gardez 9 sur 10. Bon, bref. Et là, on voit bien que les commandements des hommes, les traditions remplacent les commandements de Dieu, consciemment ou inconsciemment. Bon, ensuite, Marc 12. Alors, Marc 12, mais là, je vais vous lire Ostervald. C'était l'une des seules parties que je lisais sous Louis II. Donc, Marc 12, versets 28 à 29. Alors, un des scribes qui les avait entendus discuter ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. Je m'arrête là un instant. Écoute, c'est plus qu'entendre. Ça veut dire entendre plus obéir. Écoutez, Shema Israël. Et en hébreu, c'est l'une des seules choses que je sais. En original, c'est Shema Israël, Adonai Elohimu, Adonai Echad. Donc ça veut dire écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un ou uni. Hein, parce qu'il est trois en un. Bon, c'est une autre étude. Donc le Seigneur est notre Dieu, le seul est Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Bon, ben, c'est clair aussi. Bon, il y en a qui vont vous dire, aimer Dieu ton cœur de toute son âme, de toute sa force, de tout son être tout entier, quoi. C'est observer les quatre premiers commandements, voire même les cinq premiers. Il y en a qui disent honorer ses parents, car l'Éternel nous le commande. C'est aussi, mais bon, ça se dispute. Et par contre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ben, c'est pour les six derniers. C'est pour les sept derniers commandements. Oui, sur le sabbat. Quand il dit, tu ne travailleras ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni l'étranger qui est dans tes portes, parce que tu les aimes et tu veux qu'ils se reposent comme toi, te reposent. Donc, ce commandement-là, le quatrième, ça inclut et l'adoration envers Dieu directement et indirect, parce qu'en aimant son prochain, en ne voulant pas le faire travailler ce jour-là non plus. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Luc 1, verset 6 nous dit, ils étaient tous deux justes devant Dieu, ils suivaient les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Donc, on voit bien l'importance de la loi. Ensuite, Luc 15, verset 29. Là, on est en train de voir la partie « La loi est-elle importante dans le Nouveau Testament ?» C'est écrit dans le Nouveau, parce que dans le premier, il n'y a pas de doute. Alors, Luc 15, verset 29, il nous dit « Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais contrevenu à ton commandement et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. » Comme quoi, il a toujours observé ses commandements, mais il reproche à son père que c'est dans la parabole du fils prodigue. Luc 18, verset 20, « Tu connais les commandements. » Donc, Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Verset 19, « Personne n'est bon sauf Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Il lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, voyez, il n'y a que les commandements sur l'an prochain, parce que pour Dieu, ça coule de source. Ils sont pas annulés, loin de là, parce que Dieu, c'est en premier. Ça devrait être en premier, normalement. Quand j'entends des chrétiens qui disent, oui, je veux aimer mon prochain en premier, et puis, j'y sais bien d'aimer son prochain. Mais comme si, des fois, j'entendais des chrétiens me dire, s'il y a à choisir, je préfère aimer mes amis, comme quoi il veut passer pour l'ami public numéro un, entre guillemets. C'est bien d'aimer ses amis, oui, mais comme si on devait choisir entre aimer ses amis et aimer Dieu. Non, l'un ne va pas sans l'autre. Tu aimes Dieu, donc tu aimes tes amis. Si tu aimes tes amis, normalement, tu devrais aimer Dieu. Et en plus, si tu devrais aimer Dieu, tu devrais aimer tous tes frères et sœurs, qu'ils soient musulmans, juifs, catholiques, orthodoxes, protestants ou athées, même. Il faut prier pour eux, parce que 1 Timothée 2, verset 3-4, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et parviennent à la connaissance de Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jean 14, 6. Donc, il aimerait qu'on soit tous sauvés. Donc, il aimerait qu'on prie pour tous nos contemporains, qu'ils soient athées, bouddhistes,
10, tout ce que vous voulez. Ou celui qui est pardonné beaucoup, il aime beaucoup. Celui qui est pardonné peu, il aime peu. Et moi, bah, c'est pour ça que je suis autant accroché à lui que je l'aime de tout mon être tout entier, parce que parce qu'il m'a pardonné tout ça qui était impardonnable. À vue humaine, c'était impardonnable. Un roi, j'aurais fait la moitié, le dixième. Un roi humain, il m'aurait décapité ou il m'aurait fait écarteler ou enfin il m'aurait fait ou crucifié ou tué quoi, massacré quoi. Pour le dixième de ce que j'ai fait à Dieu. Et non seulement Dieu l'a pas fait, mais en plus il m'a pardonné. Il me donne l'occasion de. Alors Luc 23 verset 56. Alors, et donc à partir du 54 pour comprendre. Donc c'est après la mort de Jésus. Donc c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Verset 55. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, remarquèrent le sépulcre et comment le corps de Jésus y fut placé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums et elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Et vous avez vu, quand Jésus était mort, il n'a pas cloué le sabbat sur la croix, il n'a pas loué la loi. Donc là, vous voyez, c'est que des versets dans le Nouveau Testament écrit qui vont vous dire comme quoi la loi n'a pas changé, parce que Dieu ne change pas, ni sa loi, ni sa parole, ni lui-même, et qu'il ne ment pas, quoi. Jean 10, verset 18, nous dit « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » D'abord le verset 17 pour comprendre. « Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. » Chapitre 12, verset 49 à 50. « Car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Son commandement est la vie éternelle. Quand il dit son commandement, c'est les 10, bien sûr, hein, le commandement de Dieu. « Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dit. » Quand on dit les commandements de Jésus, c'est pas les mêmes si, quand il dit « aimez-vous les uns les autres » ou « aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être tout entier et aime ton prochain comme toi-même », ça résume les 10 commandements, les 10 paroles. Ça ne les réduit pas, ça les résume. Résumer, ça veut pas dire réduire. Hein. Ah oui, parce que avant de continuer, 1 Jean 3, verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit ? « Mes petits-enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Amen. Donc c'est bien beau de dire « j'aime Dieu », mais il faut le prouver en action et en vérité, en observant ses commandements. Et comme on a vu dans Jacques 2:10, tous ses commandements, parce que quiconque observe, transgresse un seul commandement, c'est comme s'il les avait tous transgressés, tous violés. Donc 10 moins 1 est égal à 0. Donc ou on observe les 10, ou aucun des 10. Mais ça sert à rien d'en observer 9 ou 8 ou 7. Si un ou plusieurs commandements vous dérangent, observez-en aucun, plutôt que se fatiguer, entre guillemets, en observer 7, 8 ou 9, ou vous en observez aucun, ou les 10, c'est tout ou rien. C'est pas celui-là, ça me dérange, je veux pas. Ouais, mon église, je crois que c'est un chrétien, Paul Washer, qui disait préférez-vous aller à l'église la plus proche de chez vous ou à l'église la plus proche de la Bible? Moi, je sais pas vous, mais moi, le choix est vide, hein. Je préfère l'église la plus proche de la Bible. Hein. Bien sûr, il n'y a pas d'église parfaite, mais je préfère celle qui se base sur ses commandements. Et il y en a 10, comme on a vu. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Ensuite, Jean 14, alors verset 15, comme on a revu, mais on va revoir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc c'est clair. Et verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Et ça me fait penser à deux versets, trois même. C'était pas prévu, mais Romains 17, je veux pas paraphraser, donc je vais le chercher. Romains 10, 17, mais je veux pas perdre les autres marquages, donc je vais essayer sans. Voilà, merci mon Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jean 5, verset 39 à 40, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaisse-toi le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Donc connaître dans la Bible, autant dans le Premier Testament que dans le dernier, c'est avoir relation très intime. Quand on dit un homme connu sa femme, et ils sont mariés, connu, ils couchent ensemble. Et par contre, connaître Dieu, c'est avoir une relation très intime avec lui. C'est pas l'aimer, tiens, je t'aime, voilà, point barre. Non, c'est l'obéir, c'est l'aimer, le bénir, le respecter, l'honorer, le glorifier, lui rendre de l'importance dans la vie, lui donner la première place pour tout. C'est chercher son royaume et sa justice, tout d'abord, premièrement, et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 34, 33 et 34. Donc c'est Dieu en premier, et ça doit pas en être autrement. Toujours Dieu en premier. Et après tout, c'est lui qui nous a créés, il nous
nous a tous tissés, façonnés dans le ventre de nos mères, psaume 139, verset 13. Il n'a pas que créé les juifs, hein. D'ailleurs, Adam et Ève n'étaient pas juifs. Bon, je ferme la parenthèse. Ensuite, Jean 15, verset 10 à 12, il nous dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. Mon commandement, c'est que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Le verset 14, mais le verset 13, il est trop beau. « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. » Commandement, il y a commandé dedans. Et tout, il n'y a pas dit 9 sur 10, hein, ou 8 sur 10. Bon, bref. Ensuite, Romains 2, verset 7 à 13, il nous dit, pour le début de la phrase, je vais lire à partir du verset 5. « Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais l'indignation et la colère aux contentieux et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice, à l'affliction et l'angoisse, à tout homme qui fait le mal, aux juifs d'abord, puis aux gentils, c'est-à-dire non-juifs, mais la gloire, l'honneur et la paix à l'homme qui fait le bien, aux juifs d'abord, ensuite aux gentils, car Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui auront péché ayant la loi seront jugés par la loi. » Donc ça prouve bien que la loi est importante. Ensuite, Donc 1 Corinthiens 7, verset 19, nous dit « La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Et ça, Paul le disait devant les Juifs, alors que la circoncision, les deux choses les plus importantes, même pas les plus importantes, les plus vitales, même pas les plus vitales, pire que ça. Comme quoi, les deux choses, il disait comme quoi vous apparteniez au peuple d'Israël, au peuple fidèle et élu de Dieu, c'était la circoncision et le Shabbat, et l'observation du Shabbat et bien sûr des 9 autres commandements. Et là, il nous dit la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc là, c'est comme si un chrétien vous disait aujourd'hui, la foi n'est rien, la grâce n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Vous diriez, attends, la foi et la grâce, c'est super important. La circoncision et la circoncision, c'était plus que vital pour les Juifs, mais c'était rien à côté de l'observation des commandements. Donc des 10, bien sûr, vu que Jacques de 10 nous dit, quiconque transgresse un seul commandement, c'est comme s'il les transgressait tous. Donc c'est limite s'il se faisait pas lapider, hein, à l'époque. Et ce verset, ça va bien avec 2 Timothée 2, verset 19, mais version Louis II, c'est rare quand je préfère la Louis II, mais que cas exceptionnel, comme Marc 7 et 2 Timothée. Et puis certains passages du Premier Testament, comme par exemple Proverbe 22, 19. Alors 2 Timothée 2, 9, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc les paroles de Dieu lui servent de sceau. Oui. J'aurais une question. Oui. Par rapport en fait à l'observation des commandements, parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, on a la loi, tu vois, notamment les commandements. Oui. Mais dans le Nouveau Testament, tu vois, t'as Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez Dieu de tout ton cœur, de ton être, ta pensée, oui, et avec ton prochain comme toi-même. Oui. Tu vois, par rapport à ces commandements, lequel tu vois mettre. Ben justement, je vais y venir bientôt. Ces commandements-là, les deux commandements, ça résume les 10. Parce que aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être tout entier, quoi. C'est-à-dire, c'est pas avoir d'autre Dieu que lui, premier commandement. C'est ne pas se faire d'image taillée, ni de représentation quelconque, ni si c'est fait pas par toi, mais ni se prosterner devant d'autres, devant des images que d'autres auraient fait, ni les vénérer, ni les servir. Donc, deuxième commandement. Ce n'est pas prendre son nom en vain ou le réduire à néant, dans certaines versions. Donc, ça, c'est l'aimer, parce que faut pas aimer qu'en parole et qu'avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, en action, en acte, ça veut dire, et en vérité. Donc, pas que avec la bouche, c'est facile de dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais faut le prouver, quoi. Si tu dis tu es marié, tu dis j'aime ma femme, mais que tu la trompes, que tu l'embrasses jamais ou que tu l'honores jamais, que tu couches jamais avec elle, tôt ou tard, elle ira voir ailleurs, elle va dire mon mari est infidèle. L'infidélité, c'est pas forcément être adultère, c'est-à-dire coucher avec une autre, c'est par exemple ne pas l'honorer, jamais lui dire que tu aimes. La fidélité, c'est ça englobe plein de choses. C'est l'honorer, respecter et lui prouver que tu l'aimes. Si c'est comme un feu, si tu l'entretiens pas, il s'éteint et après il y en a plus. Si tu entretiens pas la relation avec ton Dieu, elle s'éteint, pas de son côté, mais de toi. Moins tu vas entretenir la relation avec Dieu, moins tu auras envie de le faire, c'est un cercle vicieux. Et c'est pareil dans un couple, tu entretiens pas la flamme. Et Jésus nous reproche, Dieu nous dit, il nous reproche d'avoir abandonné notre premier amour, de nous être refroidis. Et c'est le danger pour un maximum de chrétiens. Matthieu 24, verset 12, il dit l'iniquité, le péché s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre, de la majorité, se refroidira. Donc l'amour de la majorité
majorité d'entre nous se refroidit et donc le péché abonde en nous. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pour ça que c'est important de demander l'amour à Dieu. Donc l'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour, c'est observer ses commandements. Et donc envers Dieu. Et le quatrième commandement, ben son jour de repos. Ça, c'est pour aimer Dieu de ton cœur, de toute ton âme et de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même, ben c'est ne pas le faire travailler le sabbat. Parce que si nous, on se dit, ah ben tiens, j'observe le quatrième commandement, mais toi, je te fais travailler parce que tiens, t'es mécanicien, ma voiture s'appresse. Moi, je travaille pas le sabbat, mais je te fais travailler le sabbat. C'est pas bon. Par amour envers ton frère, tu dois pas le faire travailler ce jour-là. Après, si c'est lui, c'est lui, c'est son problème. Mais s'il est chez toi, tu dois lui dire non, vu que tu l'aimes aussi, par amour envers Dieu et par amour envers ton prochain, tu dois pas le faire travailler. Par amour envers ton prochain, tu dois honorer tes parents. Par amour envers ton prochain, tu ne dois pas le tuer. Par amour envers ton prochain, tu dois pas faire adultère, etc., etc. Après, les sept derniers commandements, c'est l'amour envers son prochain, et les quatre premiers, c'est l'amour envers Dieu. Donc, tu remarques que le quatrième, c'est l'amour direct envers Dieu et l'amour envers son prochain. C'est le seul qui est transitoire, qui est entre les deux, parce qu'il dit bien dans Deutéronome, afin que que l'étranger dans tes portes repose comme toi. Donc, par amour envers lui aussi. Donc, c'est pas que de l'amour envers Dieu. Donc, c'est ça les deux commandements. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais les deux commandements d'amour, ça résume les 10. D'ailleurs, on le voit bien dans Romains 13, que je vais bien... Merci, tu me fais une bonne transition pour Romains 13, qu'on va bientôt voir. Alors, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Alors, Romains 13... Alors, Romains 13, ben, c'est où? J'ai perdu le fil. J'ai tellement de marquages. Ah oui. Alors, Romains 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement. Donc, il en a énoncé que 4, mais il dit, et tout autre commandement. Tout cela se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, il dit bien, et tout autre commandement. C'est pour ça que j'aime bien Osterwald, parce que les autres versions vont pas dire, et tout autre commandement, ils vont dire, et tout ce qu'il peut y avoir encore. Vous allez me dire, je joue sur les mots, c'est un peu la même chose, mais là, j'aime bien, et tout autre commandement, ça dit bien, les autres aussi sont inclus dedans. Et l'amour envers son prochain, c'est logique. Ça veut dire que, et là c'est ça qui est énorme, et ça j'ai trouvé il y a pas longtemps, là aujourd'hui en faisant l'étude, en préparant l'étude, donc c'est vraiment récemment, ça veut dire que Dieu il est notre prochain aussi, parce qu'il dit et tous les autres commandements, et les quatre premiers on a vu c'est l'amour envers Dieu, donc comme s'il était notre prochain, donc il veut être proche de nous, et les autres hommes et femmes, qu'ils soient athées, protestants, catholiques, juifs, musulmans, bouddhistes, enfin tout ce que tu veux, et c'est notre prochain aussi, ils sont autour de nous, tous ceux qui sont autour de nous sont notre prochain, plus ou moins éloigné, quoi. Mais tout, c'est notre prochain. Quand on voit la parabole du Samaritain, c'était considéré comme un païen et un mauvais. Et le prêtre, il passe devant, il passe outre celui qui est battu à mort, qui est mourant, qui a été battu à mort par les brigands. L'autre, un docteur de la loi, pareil. Donc des gens pieux, entre guillemets, des gens religieux, ils étaient censés, ils connaissent la parole et ils sont censés aimer leur prochain. Donc ils passent outre. Mais le Samaritain qui est un païen, c'est lui qui est ému de compassion envers celui qui a été battu à mort et qui non seulement le prend, lui soigne ses blessures et paye l'aubergiste et lui dit quand je reviendrai, s'il n'y a pas assez, je te rajouterai, mais prends soin de lui. C'est énorme. Dieu, il veut qu'on ait le même amour pour tous, quoi. Même et surtout les païens. D'ailleurs, si on a de l'amour qu'entre nous, on ne veut pas mieux que les païens parce que les païens, ils ont de l'amour entre eux, ils se respectent entre eux, mais si on ne respecte pas nos frères et sœurs catholiques, protestants, musulmans, juifs, bouddhistes, etc. et athées, un chrétien, on porte le nom de Christ. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Donc, il faut qu'on ait de l'amour envers tous. À ceux-ci, tous connaîtront. Et là, ils diront, tiens, celui-là, il est différent. Tiens, celui-là, il a de l'amour. Tiens, celui-là, il pardonne. Il faut qu'on honore son nom, qu'on bénisse son nom. Il nous a fait aimer. Donc, 2 Timothée 2, 19, j'ai lu. Donc, ses paroles, c'est son sceau. On a vu. 1 Timothée 6, 14, à partir du verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement sans tâche et sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, de garder les commandements, pas les. Donc, c'est clair. Ensuite, 2 Pierre 2, 21, j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 sur 32. Sur la loi, comme quoi elle n'a pas changé dans le Nouveau Testament, et sur le sabbat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je pensais en trouver pas beaucoup, j'en ai trouvé 24 ou 25. Bon, bref. Donc 2 Pierre 2, 21, 2 Pierre 2, 21, qui nous dit ouais. Car il aurait mieux valu de n'avoir point connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Oui, on peut pas être plus clair. Oui, à partir du verset 20. En effet, si après avoir pris les souillures du monde par la connaissance, donc relation très intime du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première, car il aurait mieux valu de n'avoir point connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu des cinq commandements qui leur avaient été donnés. Bon, ben, on peut pas être plus clair que ces versets-là. Ensuite, 2 Pierre 3, 2. Alors, je lis à partir du verset 1. Bien aimé, voici déjà la seconde épître que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur. Éphésiens 6, verset 2 nous dit Éphésiens 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est une promesse, ouais. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Comme quoi la loi ne change pas. Mais 1 Jean 2, ah oui, bah là c'est encore plus flagrant. 1 Jean 2, là c'est clair comme de l'eau de roche. Écoutez bien ce que dit 1 Jean 2. Donc 1 Jean 2, verset 3, 4, 7, 8. Alors, je vais écrire de pas tout lire, mais après je vais vous les relire tous. 3 à 8. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Savoir si nous gardons ses commandements. Que nous l'avons connu, donc que nous avons des relations très intimes. Savoir si nous gardons ses commandements. Ses commandements. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements, donc en parenthèse tous, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc c'est comme s'il disait Jésus n'est point en lui, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est assez costaud. Le verset 7 est prêt, mais je vous lirai après. Frère, je vous écris non un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Il y en a qui disent que le mot parole, c'est le mot décalogue. Donc je sais plus comment ça se dit en grec, mais ça faudrait que je m'en renseigne. Donc c'est comme s'il disait ce décalogue ancien, ce commandement ancien, c'est le décalogue que vous avez entendu dès le commencement. Toutefois, je vous ai écrit un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres passent et la vraie lumière lui déjà. Donc maintenant, je vais vous relire écrit 3, si pas besoin de vous relire le 7 et lui. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Donc nous l'avons connu. Savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc Jésus n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et à cela, nous connaissons que nous sommes en lui. Donc nous avons des relations très intimes. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Amen. Donc comme il a lui-même marché. Est-ce que Jésus observait le sabbat? Ben, on va y venir avec d'autres versets. Mais 1 Jean 3, verset 22. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Donc observer ses commandements, c'est faire ce qui lui est agréable. Et le verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons encore une fois qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. On peut pas être plus clair. Maintenant, 1 Jean 4, verset 21. Et nous tenons ce commandement de lui que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, vous voyez, faut pas que aimer son frère, comme je vous disais. Et comme si une fois un frère nous disait, ah, je préfère aimer mon frère, mon prochain. Et s'il est perdu, limite, il veut se perdre avec lui. Mais non, Dieu nous demande pas de choisir entre l'aimer ou aimer son prochain. Il nous dit de l'aimer lui et d'aimer son prochain. En plus, aimer son prochain, ça accomplit aussi son amour envers lui. Si on n'aime que Dieu et qu'on n'aime aucun de nos prochains, on n'aime qu'à moitié Dieu, parce que aimer son prochain, ça revient à aimer Dieu indirectement, parce que c'est ce qu'il nous demande aussi. Donc si on aime véritablement Dieu, on doit aimer aussi son prochain. Et par contre, celui qui aime que son prochain et qui n'aime pas Dieu, c'est qu'il n'aime pas vraiment son prochain, parce que c'est pas l'amour de Dieu. Normalement, le véritable amour, tu aimes les deux. Tu n'aimes pas que parce qu'il te le commande, parce que tu l'aimes, et quand on est amoureux de quelqu'un ou de son amour, quand on est amoureux de sa femme, on a envie de lui plaire, de lui faire plaisir, et on veut la choyer, la gâter, c'est pareil pour Dieu. On veut lui être agréable. Donc 1 Jean 4, 21, je l'ai dit. 1 Jean 5, versets 2 à 4. Nous connaissons, encore connaître, en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Donc pourquoi l'amour et la foi sont indissociables, sont complémentaires. Et 2 Jean, versets 4 à 6, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, c'est pour
pour ça que je dis pas un tel chapitre. Donc j'ai été fort réjoui de trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, donc comme s'il disait qu'ils marchent en Jésus, selon le commandement que nous avons reçu du Père. On a bien reçu les 10 commandements. Et maintenant, dame élue, je te prie, non comme si j'ai t'écrivais un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et c'est ici l'amour que nous marchions selon ses commandements. C'est là le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. On ne peut pas être plus clair. Et maintenant, je finis par ces 3 versets. Apocalypse 12. Alors, Apocalypse 12, 17. Je ne sais pas pourquoi je cherche, je le connais quasiment par cœur. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en allant faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a 2 camps possibles à la fin. Ou les membres du dragon qui s'irritent contre la femme, la véritable église, et qui s'en va faire la guerre au reste de sa postérité. Ou le reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu, donc tous, pas qu'en partie, bien sûr, sinon c'est pas le reste de sa postérité, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et pour approfondir, pour bien comprendre, Apocalypse 14, verset 12, qui nous dit, c'est ici la patience ou la persévérance dans l'endurance, dans les versions bibliques, des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc les saints sont appelés saints, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que saint, ça veut dire sanctifié, ça veut être mis à part. Ils sont mis à part pourquoi? Parce qu'ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les deux sont complémentaires, indissociables. Une foi vivante, eh ben, c'est garder tous les commandements de Dieu. Garder que les commandements de Dieu sans la foi de Jésus, sans avoir foi en Jésus, ben, ça serait du légalisme. Et qui a le Fils à la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jean 5, 9 à 11. Et avoir la foi en Jésus, mais sans garder les commandements, eh ben, ça serait une foi morte. Et une foi morte, ben, elle ne peut rien faire. L'homme juste vivra par la foi, mais une foi vivante. Une foi qui s'accompagne avec des œuvres d'amour et de reconnaissance envers Dieu qui nous a créés et sauvés. Mais, et garder que 9 commandements, 8 ou 7 sur les 10, ben, c'est comme si on n'en gardait aucun. Ou on n'en garde qu'un, ou on garde les 10. Et un dernier texte, et après j'ai fini, pour aujourd'hui en tous les cas, c'est Apocalypse 22, verset 14. Voilà pourquoi je préfère Osterwald, ou celle que Vincent m'a offert, la Torah accomplie, ou Martin. C'est les 3 seuls, jusqu'à maintenant, des littérales, qui disent « Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Amen. Les autres versions, Louis II, 1910, Darby, qui sont un littéral, mais bon, c'est les moins littérales, Fouraki, qui est ultra littéral, Bible juive complète, qui est assez littéral aussi, et ben ils vont dire « Heureux ceux qui lavent leur robe. » Alors que Olivetan, mais j'ai pas, alors qu'Olivetan, Osterwald, Martin et la Torah accomplie par les juifs messianiques de mars 2021, et ben ils vont dire « Heureux ceux qui gardent ou observent ses commandements. » Donc, laver notre robe, c'est observer ses commandements. Et voilà, je vais finir aujourd'hui, je vais prier pour aujourd'hui. Mais donc, on a vu en gros, vite fait, l'intro, le sommaire, les paroles et ou les commandements, où se suivez. Toutes ces paroles et commandements ont tous été prononcés et écrits, gravés par notre Dieu d'amour créateur et rédempteur. L'avertissement et conseil par amour. La loi est-elle importante dans le Nouveau Testament? Et demain ou la prochaine fois, on verra. Donc, le sabbat est-il important dans le Nouveau Testament? Et une question aussi. Et le premier jour remplace-t-il le septième jour? Et Jésus a-t-il vraiment transgressé le sabbat comme les pharisiens le pensent et l'affirment? Et puis, deux autres petits que j'ai pas fini encore. Donc, je vais prier. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci de faire de nous tes saints qui persévérons, endurons, patientons, en gardant tes commandements tous, ainsi que la foi vivante de Jésus. Les deux sont complémentaires, indissociables. Merci de bénir abondamment Vincent et sa famille amie, Sandra, Karabi qui était venue, Jeff qui était venu aussi. Et il y a une personne qui est venue aussi, j'ai plus retenu. Merci de les bénir tous. Merci de bénir tous ceux qui écouteront l'étude. Et merci pour ton immense amour, tout ce que tu as fait, tout ce que tu es et tout ce que tu continues de faire pour chacun. Merci de que tout se passe bien pour Vincent demain et merci pour tout. Merci mon Dieu, merci de m'avoir tiré du satanisme. Merci pour ton immense amour. Merci que nous puissions propager ton amour à un maximum de nos personnes. Et j'aimerais te réclamer encore Actes 1 verset 8, mais l'actualiser encore aujourd'hui. Mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans toute la France, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis que tout est possible à celui qui croit. Marc 9 23 à la fin du verset. Tu nous dis dans Matthieu 21 22 tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons. Et Luc 1 37 car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Donc merci que tu fasses bien pour Vincent, pour moi, pour chacun de nous tous, en réclamant ces versets. Et aussi Jérémie 17 14 pour notre guérison spirituelle et psychologique et physique, il y a Dieu. Mais pour toutes sortes de guérisons, ô Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange, ma gloire. Donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout. Et merci pour tout, mon Dieu. Merci de nous donner des occasions de parler toi. Et merci de nous donner les bons mots au bon moment devant les bonnes personnes et les bonnes actions aussi, qui puissent témoigner de toi, de ton amour, de ton évangile, de tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues de faire. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen.